Comme tu vois, on organise une veillée en hommage à ces milliers de moutons et les centaines de bovins qui demain seront donc abattus sans étourdissement lors de la fête du sacrifice. Il faut bien sûr aussi savoir que les abattages sans étourdissement ont lieu tous les jours dans les abattoirs. Et donc, nous sommes avec nos pensées, avec notre cœur, nous sommes avec les animaux qui demain donc vont subir un sort épouvantable. L'étourdissement, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire vis-à-vis d'un être sensible. Je ne vois pas de quel droit l'être humain, qui se dit tout puissant, a le droit de maltraitance vis-à-vis d'autres espèces. Demain, c'est la fête du sacrifice. Je veux dire, on peut se demander pour qui c'est vraiment la fête. Pour nous, ça n'est pas la fête, en tout cas pas pour moi. Et donc, pour moi, c'est important d'être ici pour être solidaire avec les animaux qui souffrent. Nous insistons auprès du gouvernement bruxellois et en un mouvement auprès du Parlement pour qu'ils suivent l'exemple de la Wallonie et la Flandre qui ont donc approuvé, adopté une législation interdisant l'abattage sans étourdissement. Et on veut que donc, le monde politique bruxellois suive le bon exemple des deux autres régions.